retrouve pour un nouveau vlog. Devinez où on est. Santorini. Santorin. On a 3 hôtels à shooter pendant 10 jours. Et sinon, ça sera un peu de vacances, un peu de travail, un peu de photos, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos. Lara. Valentin. Regardez, c'est du coca pour le goût et de l'eau pour s'hydrater. Lunettes de soleil, casquette. Ben, vous avez dit qu'on avait 3 hôtels à côté, ben, là, ça retombe à 2. Le mec qui nous a dit qu'il ben, continue à prendre des réservations et finalement sa chambre est plus dispo. Dommage pour lui. Donc là, on rentre à l'hôtel, on se repose. Si on avait eu une piscine, on serait allé à la piscine. On n'a pas de piscine, alors on reste là. On déroche les plans. Donc on se déroche les plans, on se repose, on prend une douche et après, on va voir le sunset avec une petite surprise. C'est quoi la surprise? Non, on va manger avec. Enfin, on va manger un petit kebs. Et là, on va se prendre l'hôtel du dernier jour qui nous manque. On va se chercher un café, on va passer dans un petit village où on va un petit peu se balader et ensuite direction Oya pour toute la journée. On est arrivé à Oya après une demi-heure de bus assez intense. Pourquoi c'est avance? Au bord de la falaise. Et là, on va manger quoi? Un petit grec. Qu'est-ce que tu fais? Tu manges des clips. C'est bon? Oui. Et on a des gyros pita wrap gluten free pour Lara. Et à Santorin. Demain on part pour Naxos, très tôt le matin. Il est 6h38. 6h38 et on est sur le ferry. Pour aller où? Pour aller à Naxos. On est arrivé à l'hôtel et là, on nous a offert le petit déj, genre buffet à volonté trop bon. Et là, on a piscine privée, sauna, jacuzzi qu'on voit pas du tout. Et là, on va se baigner avant de repartir. J'ai essayé de passer par là-bas, mais je vous montrerai après. Il n'a pas réussi. Du coup, il prend des photos de scooter. Réveil à Naxos. Mm-hmm. Tu
petit-déj de folie. À part ça, là, ça a pas l'air bon. Là, ça, ça a pas l'air bon. Mais c'est bien de goûter les trucs grecs. Une heure d'attente. On va enfin rentrer dans le bateau. On est arrivé à Paros. Well arrived in Paros. Valentin qui fait ses stories. Qu'est-ce que t'attends? Mon club sandwich. Mon club sandwich. Mon club sandwich. Yummy. Donc t'as commandé des frites et ça c'est quoi? Top sandwich. Alors le. Alors le régime sans gluten en Grèce c'est pas trop possible. C'est pas une gluten. Vous vous demandez peut-être comment on est venu ici? Bah avec un joli quad. Mais le nôtre? Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. La marche arrière. Allez, direction deuxième spot avec le petit quad. On vient de voir le sunset à Paros et demain matin à 7h on repart déjà. On va à Mykonos. Pourquoi? On va aller shooter un premier hôtel, c'est trop trop cool. Et voilà, et donc là on enjoy les belles lumières. Et qu'est-ce qu'on a fait avant? Et on a fait un tour de quad, c'était trop stylé. On a l'impression de rouler à 120 alors qu'on était à 42. Mais c'était trop beau. Trop beau. Golden Hour plus quad, trop beau. C'était trop cool. Et là, les lumières sont trop belles. Le dîner est servi. Et ça flique, mais c'est pas grave. Des petites moules, un petit octopus et des petites frites. Et on est où? Et on est au bord de la mer. Alors Valentin? T'as pas encore goûté? Bah goûte. Moi c'est très bon, j'ai déjà goûté. La première fois que tu manges ça. C'est bon. C'est vrai? Il est 6h45 et on s'apprête à partir de cette petite chambre d'hôtel toute mignonne et aller prendre le ferry pour Mykonos. On part dans exactement 5 minutes et aujourd'hui on va à l'hôtel Bohème parce qu'ils nous ont invités pour shooter. Nous sommes invités. C'est nous-mêmes qui sommes invités. On leur a envoyé des petits messages. Mais voilà, du coup on va profiter de la piscine, profiter du ferry parce que moi j'aime bien le ferry. Alors la ratale, t'as froid? Je crois que tu es congelée. J'ai froid. Il me force à être dehors. On est enfin arrivé à l'hôtel. Bon, en vrai, il y a une petite heure, Valentin a déjà eu le temps de prendre des photos. Moi, j'ai déjà eu le temps de bronzer. Mais du coup, il faut quand même qu'on vous montre le premier hôtel qu'on va photographier. Parce qu'il est trop trop beau. Ça s'appelle le Bohème Mykonos, un truc comme ça. Du coup, le lit, très grand lit. Le canapé, le petit salon et ensuite l'extérieur. On peut enfin dire que je suis dans mon élément. Le breakfast, mais là on a déjà notre petit orange juice, notre petit café et le pain avec du Nutella. Aujourd'hui on va faire journée à l'hôtel. Valentin, raconte-nous ce qui vient de se passer. Je sais pas si vous voyez le troisième bed là. Juste derrière là. Voilà. Et bien celui-là, t'as vu, il y en a que trois. Et bah 5 secondes près, la meuf elle s'est posée dessus. Ce qui fait que nous, on est à l'ombre.
Super. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a changé de chambre. Parce que là, on s'est fait tèche de notre première pour aller dans une meilleure. Sauf qu'il y a 4 heures de battement. Du coup, on est 4 heures pas dans une chambre. Allez. Mais c'est pas grave, on enjoy la piscine. Moi, non, regardez. On est arrivé à Alomora. Mora. Je sais pas. Mais en tout cas, on Alomora. Ceux qui ont la rêve, c'est Harry Potter. En tout cas, on va visiter, on va voir le monastère de Mykonos. Et on va un petit peu visiter pour... Et manger, surtout manger, manger. Et après, on retourne à l'hôtel pour se baigner dans notre jacuzzi. Et on est arrivé comment? Faut le dire. Ah oui, et on a emprunté la voiture de Lionel et Corinne. Parce que eux, ils partaient en ferry ce matin. Du coup, je les ai emmenés au ferry. Et je me suis cassé avec leur caisse et on l'a jusqu'à 17h. Ouais. On vient de changer de chambre pour prendre des photos de cette chambre-ci. On est toujours dans le même hôtel, mais là on a une plus belle chambre pour la dernière nuit. Et du coup, je vais vous faire un petit room tour. C'est parti! L'espace canapé slash espace travail. L'espace nuit. Et là. Le meilleur. Ah, d'abord je vais vous montrer ici. Petit balcon vue jardin. Et là le meilleur. Notre balcon vue mer. Des petits poufs. Et le meilleur. Le jacuzzi. L'eau est trop bonne. C'est trop joli. C'est incroyable. Là. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille, mais avec un sunset. Travail with a view? Yep. Petit restaurant à l'hôtel. Miam miam miam. With a view. Recoucou le vlog. Dernier réveil à l'hôtel Bohème dans cette magnifique chambre. Je viens de faire mon workout et Valentin est tranquillement dans le jacuzzi. Je suis à la même place qu'hier soir. Avec une petite vue sympa. Et hier j'étais là de minuit à 1h du mat. Et là je retourne. Et maintenant on va enjoy le breakfast parce qu'il est particulièrement bon. Et hier on n'a pas pris beaucoup. Mais alors ce matin, je vais prendre full. Ah oui, il est particulièrement gratuit aussi, c'est pour ça. On va vraiment se blinder là, histoire de plus avoir faim avant 16h. Non. Dans le jacuzzi. Jacuzzi with a view. On s'apprête à quitter la chambre, mais dernier petit souci, on s'est baigné, du coup les maillots de bain sont trempés. J'avais envie de m'acheter un bracelet, alors Valentin, quand on arrive dans l'hôtel, il a vu ça, qui entourait les serviettes du coup. Il me l'a mis au bras et alors vu qu'on a changé de chambre, on en a eu un deuxième. Changement de standing, on est arrivé à notre deuxième hôtel à Mykonos où on va passer deux nuits avant d'aller au prochain. Je vais vous faire un petit tour. On s'apprête à ressortir, du coup il faut être prêt. Hein. Faut mettre de la crème. Je vais l'étaler. Hein. Je vais l'étaler, putain. Valentin qui met de la crème, c'est quand même tout un art. Ça va, ça colle pas trop? J'aime pas, putain, c'est... Oh, j'en ai mis trop. J'ai l'impression d'être une présentatrice télé. Mais du coup, là, on vient de quitter notre hôtel assez mignon, on va dire ça. Et du coup, là, on va se balader à Mykonos, au Vieux Port, on va prendre des photos, des vidéos, et ce soir, on va au Sunset Bar. Voilà.
c'est le programme pour cet après-midi. Repas est servi. Comme elle est énorme ta crêpe. Moi une crêpe salée. On continue le régime sans gluten. De retour à l'hôtel et on a fait un petit achat. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est le blanc. Et c'est Vintin, c'est mais le noir. Mais on pourrait changer quand même des fois. Non. Et du coup, c'est quoi ces petits objets? Bah regarde, en gros, tu fais ça, hop. C'est trop canon. Ouais, non, ça faisait beaucoup mieux. Trop joli. Le mien est un peu plus court que celui de Vintin. Bon alors on a eu un doute sur la longueur des lanières, on s'est dit merde, on peut pas les ajuster plus qu'à un certain niveau quoi avec ça. Et en fait on a trouvé comment le rallonger, du coup c'est bon mais on a eu un petit coup de flip parce qu'on aurait été deg. Ouais là tu peux les rallonger de ouf hein. Ouais, là c'est pour les géants. Et tu peux le mettre juste là, ouais bon là, ouais, quoi que là t'es à l'aise hein. Ouais j'avoue. T'as envie de shooter? Trop stylé, franchement elle te va trop bien. Lara. J'ai fait la chiante. Donc là, il y a le mien. Elle a changé pour avoir le même que moi. Mais en une autre couleur. Parce qu'en fait, il est plus solide. En fait, on a changé, pas pour l'esthétique, l'autre me plaisait beaucoup. Mais en fait, là, il y a deux boucles. Il y a deux boucles. Et en fait, quand on ajuste la taille ici, il n'y a pas un petit bout qui part comme ça, comme moi j'avais. Et ça, c'était un peu gênant. Et du coup, lui, il fait un peu plus quali et tout ça, on trouvait. Il est plus épais. Petit changement de tenue. On se fait joli avec une petite robe que Valentin déteste, mais bon, moi je la trouve jolie. Après ce début de journée haute en couleurs, petite pause midi. On en a marre du grec, alors on mange des bowls maintenant. Voilà comment Lara, elle finit sa soirée. Ça c'est mon booster pour la création du Reels qui va suivre. Nouvelle journée. On part de cet hôtel avec nos valises. On va manger au port. Enfin, prendre un petit café, un petit déj au port. Et ensuite, direction le prochain hôtel. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on a un petit peu bossé quand même. Parce que ça, on le vlog jamais. Mais ça fait partie de notre routine. Tous les matins, une petite heure. Voilà. Arrivé. On est à Cabo Tagó.